nouveau rond-point a été conçu par les employés municipaux de la ville de Salindres. Encore un magnifique rond-point à l'entrée de la ville de Salindres, avec, connu de tous les Salindrois, le Grand Pont qu'on traverse pour entrer dans Salindres. Salindres, une ville où il y fait bon y vivre. Salindres, une ville où on sait aussi bien faire les choses. Magnifique rond-point qui a été réalisé par les employés municipaux de la ville de Salindres. À Salindres aussi, on fleurit les ronds-points. À Salindres, c'est magnifique. Et de magnifiques ronds-points ont été conçus par les employés municipaux de la ville de Salindres. Salindres, une ville où il y fait bon vivre. Toujours dans le tissu associatif, Salindres, avec son stade. Son stade mythique de la ville de Salindres. Et puis, son complexe sportif, avec des terrains de tennis. Terrains de tennis qui ont été installés. Puis la piscine de la ville de Salindres. Complexe sportif assez équipé pour les Salindrois et Salindroises. Et au fond, là-bas, le stade synthétique, installé par la ville de Salindres, inauguré par M. Georges Fraîche. Superbe complexe sportif de la ville de Salindres. Salindres, une ville associative, une ville sportive. Il y fait bon vivre, à Salindres. Salindres, une ville où il y faut bon vivre. Salindres, avec son sport et son tissu associatif, avec le camisard. Les camisards, circuits de voitures thermiques qui se font avant l'été et au mois de septembre. Petit circuit bien encadré par l'association des camisards de Salindres, voitures thermiques. À Salindres, il fait bien bon vivre. Salindres est une ville aussi dans l'éducation nationale. Avec son collège, le collège Jean-Baptiste Dumas de la ville de Salindres, où tous les collégiens se retrouvent à la rentrée des classes. Là, ils sont en vacances d'été. Premier établissement scolaire, le collège Jean-Baptiste Dumas, connu de tous les Salindrois et Salindroises. Le collège Jean-Baptiste Dumas, situé pas loin de la gendarmerie. Un superbe collège qui est en cours de rénovation et qui va encore, une nouvelle fois, pour la rentrée de septembre, être le plus beau. À Salindres, il y fait bon vivre. Un scolaire de la ville de Salindres, donc l'école maternelle des Marronniers à Salindres. Voilà. Donc c'est le deuxième établissement scolaire de la ville avec donc la maternelle les Marronniers avec son portail là-bas d'entrée. Donc deuxième établissement scolaire de la ville de Salindres, l'école maternelle les Marronniers. À Salindres, il y fait bon vivre. Troisième établissement scolaire de la ville de Salindres, le groupe scolaire Marcel Pagnol. Donc c'est l'école primaire de la ville de Salindres, donc le groupe scolaire Marcel Pagnol. Troisième établissement scolaire de la commune et de la ville, le groupe scolaire école primaire Marcel Pagnol de la ville de Salindres. Salindres, une ville, il y fait bon vivre. Salindres est une ville aussi fleurie. Salindres, on essaie de rénover la ville, de fleurir la ville avec les premiers bacs à fleurs. Salindres, c'est aussi son tissu commerce. Pas mal de magasins, bureaux tabac, magasins spar. Pas mal de commerces se sont ouverts à Salindres. Nous sommes à Aviva, l'assurance, Millennium Coiffure, Olivier Saint-Martin, le Café des Fleurs. Très commerçant, la ville de Salindres, la rue principale, qui est la rue Henri Merle de la ville de Salindres, où il y fait bon vivre dans cette ville salindroise.